Vous allez bien? Ça va. T'es prêt à la Suisse? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc crème de topinambour avec une émulsion noisette, rillettes de rouget et tarte tomate et jambon séché. Je vais faire 3 quenelles rouges, 3 quenelles de purée. À gauche ou à droite? Faut que ce soit les mêmes sur toutes les gauche. Et là, et là. Léo? Léo? C'est pas l'inconvénient. Ah ouais. Pesto, Léo? Oui. Ensuite, tu mets un pickle sur les quenelles. On va remettre ton émulsion auto, Hélène, s'il te plaît. Un gros trou d'étoile. Sur les bords. Ouais. Séance de l'eau. Je les mets au chaud après. Ouais, je veux mettre qu'ils mettent au chaud. Pourquoi? C'est mal fait? Déjà j'en ai fait plus que ça. Ah oui, t'en mets deux. J'en fais deux, ouais, deux. Deux. Okay, bon, sachant que t'en as un vendu sur la 11, Léo. Ouais, mais on est dessus, on est dessus. T'es là en même temps? Ouais. Ouais, il t'en mettra deux, si bon. Je vais sortir avec les assiettes. On va être bien chaud. Voilà, avec la cuillère là. Tu veux chercher les ravioles? Elles sont là. Ouais. Il y en a qu'une de fait? Ouais, je vais faire la deuxième. J'étais pas censé faire l'autre en même temps. Mais... D'accord. C'est bon? Ouais. Celle-ci, elle fait tellement bien qu'on va mettre un peu dans la gueule. Okay. On peut y aller. Donc là Saint-Jacques, super. Donc juste sur la droite, elle sera fumée avec une royale de sarrasin émulsion au foin. Et sur la gauche, marinée avec une vinaigrette pomme. Donc le feuilleté de jambon à la parisienne, avec céleri nori, aigre doux de céleri et une petite sauce au wasabi avec oignon rouge. Madame, monsieur, donc les pâtés en croûte avec le petit confit d'oignon rouge et le pesto de basilic. Donc la raviole de crevettes sauvages accompagnée de sa crème d'ail, de sa bisque d'étrille. Merci. Eh ben, voilà. Clément, tu gères le... Les Saint-Jacques, Kiki. Léo? Léo? Tu me gères l'écran en même temps? Vous gérez les pâtes, les gars, après? Les légumes vont être chauds, Clément, dans la... Voilà, ça y est, c'est le vinaigre. Ça marche. Je m'enlève ça. Ah, t'es le loup, là? Oui. Bien chaud, Clément. Si t'es dessus, ça va être difficile de la partir. Comment?
Vous les avez les encornés, les loulous? Ouais, ils sont là. Comme sur le houmous, les loulous. Le houmous. Tu mets les coins sur les côtés du lièvre, loulou? Ouais. Encore des coins, là? Hein? Il y a encore des coins? C'était les derniers, mon Jean-Pierre. Ouais, c'est bien s'il me semblait, ça doit être... Tu sais, je les ai cuits sous vide. C'est assez rare de les trouver, je t'ai fait un temps. Hein. Mais ils étaient magnifiques. En tatin, c'est Jackie qui faisait ça. Ah ouais? Oh putain, une tatin de coin? C'est une tuerie, la tatin de coin. Tu dresses la hollandaise, Clément? Roman, tu fais gratte gratte vert sur le turbo, s'il te plaît. Merci. Vous avez la tagette, Clément, tu me sens la tagette? Oui, j'arrive. Merci, Roman. Qui c'est qui a fait le turbo, Jean-Pierre? Hein? Qui c'est qui a fait le turbo? C'est Carole. Et c'est la copine de Romain qui a pris les Saint-Jacques. Cynthia. Pas de soucis, mon Jean-Pierre. Tu peux nous faire ça? Il n'y a pas de soucis. C'est bon, les loulous? Oui. Allez, go. Lièvre à la royale façon Antonin Carême, coin grillé et pâte fraîche maison. Donc, le turbo grillé avec la petite hollandaise, citron confit, poireau perpétuel et chou chinois grillé. Noix de Saint-Jacques juste raidie avec mousseline de patate douce au praliné, émulsion à l'orange. Des choux vanille caramélisés. Une mousse chocolat blanc avec une compotée framboise. Mille feuilles à la vanille de Madagascar avec un feuilletage caramélisé. Un crémeux chocolat avec un biscuit noisette feuilletine, une crème pralinée. Une tartelette avec un crémeux citron vert, mangue et une crème légère noix de coco. Ou un tiramisu en vernis. Et donc avec ça, il y a soit une pâte de fruits abricot ou une petite tranche de sable chocolat lait. Dans son truc. Tiramisu, non. Oui, tiramisu. Non, tiramisu. Ça a l'air sympathique, ça a l'air beaucoup, tout ça.